Lundi 26 septembre 2022. Chers amis, nous saluons une autre fois dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous disons bon Dieu merci et nous avons entré dans la prière. Tendre Père Céleste, notre berger, une autre fois l'Éternel mais nous présenté devant nous dans l'occasion d'étude biblique là l'Éternel. Nous la gueule frère c'est Dieu dans mon frère c'est Boubé Aristide avec toute famille maman papa li tout dans mon Dieu tout puissant timon yo activité yo dans mer nous la gueule frère c'est coordonnateur Rebecca Jack non nous la gueule Jack Johannes également Dieu tout puissant dans occasion ça et non la gueule l'Éternel papa dans moment ça et dit Dieu atexin fanous service et nous la gueule le groupe Sabéose et non la gueule dans mon l'Éternel Jesus combat you thing. Nous avons également l'Éternel Papa, notre ami, notre frère Jonas Mirville, avec la compagnie de transport maritime, Didier Haïti Shipping. Nous avons mon Dieu Tout-Puissant. Et nous avons l'Éternel Papa arrêté avec frère ICC Dieu, et frère Robinson, frère ICC Robinson Delva, frère ICC Asselom, frère ICC Mitton, frère ICC Rinald, et frère ICC. Au ville ma frère c'est Kiki frère c'est Mitton non la gueu dans mon l'Éternel c'est Wisland c'est Jodel c'est Virginie qui va jam la gueu non toujours aider nous dans la prière non la gueu dans mon Dieu tout puissant nous mandons l'Éternel papa pour la gloire de ton nom voyez je regarde situation d'Haïti à l'Éternel voyez je regarde pour j'en a vivre là l'Éternel n'a vivre avec sauter. Au moment des temps coup de zam l'Éternel mon a tombé par ci par là l'Éternel n'a pas mandé l'Éternel fait grâce non dit un mot en notre faveur l'Éternel voyez je regarde dans pays a pour gain petit tout la donne oui cher Seigneur au gain petit tout dans pays a fait grâce non l'Éternel papa non connaît pays d'Haïti pas travail non pour ta faire bien envers mais c'est grâce ou faire l'Éternel papa non dou merci pour l'appui. Pendant n'a fait travail la puis a tombé qui ont ti gens ta ka troublé travail n'a fait mais non quoi l'Éternel papa ou a permettre travail la fait bien non la gue toute serviteur yo tout monde qui responsable l'église tout côté aussi situé à travers la planète terre non la gue tout dans monde non profiter de occasion ça pour nous la gue c'est Christmas c'est avec Marie li frère Luné que tout petit monde l'Éternel papa Charles Jean du soir frère Georges Ibouin pasteur Exemple ça non pasteur Serge estimé pasteur Luxon vers Dieu toutes les branches vers Dieu nous la gueu tout dans mon l'Éternel c'est Genie Breville c'est Edna Breville c'est Alain nous la gueu tout dans mon c'est Cloni cher Seigneur que nous bénis que nous glorifier dans la vie petit tout yo non encore tourner non ta saluer ce frère et sœur ya Farius, c'est Jeannette, nous saluons moun sa yo, c'est Kleli, que nous pas de chance pour nous citer, nous nous connons comment bagay la et frères et sœurs. Alors, nous tournons dans l'étude là, nous pouvons lire à partir du verset 11, non, dans Jérémie chapitre 51, verset 11. Aiguissez les flèches, saisissez les boucliers, l'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. N'a pas campé depuis dans verset ça, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, et dans le langage là, là on dit aiguiser les flèches là, c'est comme si tu as dit, tu as dit filer manchette tout. Donc on a un bagaille, les meules là. Meules là sont bagaille utilisés pour filer les armes tranchantes. Je parle des armes tranchantes, je parle de manchettes, couteaux, etc. Freines, filets avec armes tranchantes. Je parle de aiguiser, c'est ça, c'est pour filer les bagages. Alors l'Éternel prend figure ça pour montrer que et les rois de Mèdes et des Perses alors même là ouais ces Mèdes là il dit là c'est long parce qu'il dit l'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie mais
te gen coalition qui était faite entre les Mèdes et les Perses de dou ça déjà. Mais au qu'on est m'a toujours fait rappel pour les bout de main t'a écrit manité sel fares là les belles chats ça t'a bambouché avec toute concubine yo etc. Les bout de main t'a écrit à dans la même soirée selon prophétie et Daniel t'a bail dans même soirée les Mèdes et les Perses t'a débarqué. Mais l'Éternel dit c'est lui même oui hein. C'est lui-même qui te voulait détruire Babylone. Et c'est la vengeance de l'Éternel. Même le gado où est l'autre nation. Et l'autre nation t'a baissé et la poté. Non. Et pas l'autre nation qui t'a agi, c'est l'Éternel. Et ça, comme toujours, voulait ça entrer dans la tête ou là. Qui ça, Saint-Domingue, pour t'agir mal envers nous? Hein? Qui ça, pour t'en ouvrir, j'en la pagi mal envers nous? Ah, mais c'est parce que l'Éternel bal possibilité à lui seulement lui-même pour ta connaît pour ta gain compréhension de la parole de Dieu pour ta connaît pour pas agir trop mal avec non même les l'Éternel lagué non en main yo on prend à cause de trop bagaille non fait qui pas bon parce que ces gens j'a eux même yo délibérément y a fait vol y a fait viol sous non y a fait meurtre sous non toute une série de bagaille yo doit reconnaître que Godet yo tout gen pou plein. On prend Godet yo gen pou plein d'ailleurs Saint-Domingue pas représenter grand chose devant non. Si e pas Madichon non te gen encore non parce que mon femme toujours dit ça. Madichon fait que malgré a fait non abus mais non oblige à le traîner la caillou. À le traîner la caillou des os. On prend frère c'est ça faut que non dit ba yo. Même les n'a dit ça il faut en pile monde souffrir parce que non gon paquet haïtien qui peut vivre Saint-Domingue, non pas qu'à ignorer ça, mais faut que chaque haïtien qui vit là tout pour connaître tout, ces situations pays, ces jugements qui sont pays qui permettent au côté OIA, malheureusement côté OIA, l'autre nation a son grâce l'Éternel fait, mais elle pas arrivé comprendre ça et il agit mal de toutes sortes envers nous. Il est vrai que faut que nous disions vérité là non travail pour ça. On dit ça non travail pour ça mais si yo même yo ta connaît qui décision l'Éternel ka prend contre yo eh bien yo pas ta agi j'ai a pas agi a contre nous même alors frères et sœurs les non continuer l'Éternel dit c'est lui même moi qui tire vengeance de Babylone parce qu'il veut détruire Babylone car c'est la vengeance de l'Éternel la vengeance de son temple hein. T'es m'ajouter ça la vengeance de son temple hein. Babylone t'écraser le temple de l'Éternel les ustensiles les objets t'es me dit concernant le langage pour comprendre objet qui t'es gagné bagaille qui t'es gagné pour te servir dans temple l'Éternel là yo prendre à la Babylone avec les venir arriver à un certain moment gros souverain babylonien yo te prend bagaille ça yo pour yo faire fête avec concubine yo pour te bambocher et c'est là l'Éternel t'a pral faire apparition même et comme sou t'a dit c'était dernier goutte là qui t'est arrêté les fini l'Éternel n'est que la goutte là frère naël comprendre ça n'a pas dit mais c'est là nous voulons comprendre hein frères et sœurs côté noyé là l'Éternel pas acheter figure moun hein vous comprendre. Alors verset 12 l'a dit élever une bannière contre les murs de Babylone. Fortifier les postes. Placer des gardes. Dresser des embuscades car l'Éternel a pris une résolution et il l'exécute et ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Hein? L'Éternel montrait que tout arrangement qu'a fait contre les murs de Babylone côté y a metté soldats côté y a fait tout arrangement nécessaire fait des embuscades tout bagaille ça l'Éternel montre qu'a fait là pour un seul bagaille pour jugement capable exécuter exercer oui c'est vrai verbe là exercer sous Babylone hein exercer sous Babylone frères et sœurs pas oublier me dit non ça les noirs mon a fait méchanceté pas fait méchanceté avec non pas fait méchanceté avec non ha les noirs mon a fait crime pas fait crime avec non sous prétexte que pour vivre ces crimes pour faire même y a l'autre monde qui a fait crime non pour qu'à vivre
Ah, mais les moun nan pral paye conséquence crime nan ou même toi paye conséquence la rue frères et sœurs. Nta remè pour intelligence non ouvert surtout non sûr que moun ki pa tande étude la l'el fait diffusé a mais puisque étude la sur YouTube l'a traversé l'a marché à travers le monde pour tout moun ta arrivé comprendre ça. Pas copier ça moun n'a fait qui mal là. Parce que li ti agi mal ou même moi pas agi mal envers tous moi pas agi mal envers l'autre surtout gens situation d'Haïti est là moun y a fait mal et effectivement frères et sœurs non conscient qu'il y a fait en pile et vraiment en pile bagay mal dans toute bagay mal y a fait à chers amis chers frères et sœurs ou même ou tomber dans fait mal tout ou tomber dans fait mal tout en ben so pral di comme parole là mal ou a fait oui c'est parce que m'te subi tel bagay qui fait me faire tel bagay en ben m'a dou si c'est ça on prend comme exemple les moun nan gen pou la paye mal li te fè a ou même tout ou ap nan paye mal la frèze se m pral dou yon bagay c'est moi pou dou yon série de bagay an nou gade pou nou ki type de madichan ki sou de moun k'ap fè mal yo lò comprendre que nan début mois septembre nan la étude bi k'ap fè la jodi a c'est 26 liye nan début mois septembre la pour mon jeune garçon dominicain qui pas hésiter li violer un grand monde femme de 92 ans un grand monde femme de 92 ans bon l'on a réfléchi sur ça ou pas qui n'a qui degré méchanceté n'a qui degré aveuglement n'a qui degré diable a emparé de l'homme frères et sœurs. Hein? Yon grand moun de 92 ans, yon lot même ki viole, yon ti moun de 2 ans. Hein, frères et sœurs, dim ki sa wap yon, ki sensation wap yon yon ti moun de 2 ans. Ki sa yé? En ben, frères et sœurs, fò nou konnen tout bagay sa yo, ka prive kon sa, se châtiment de l'Éternel. Se trop bagay kap fèt, et l'Éternel ap montre ke, sa kap fèt yo, li la li wè yo, on prend et l'autant des sociétés ça pour aller pour frapper frères et sœurs songez m'était toujours dou ça l'autant des pour aller pour frapper c'est un gros godette où il a frappé tout bon tant que j'en même dou la frères et sœurs alors l'Éternel dit frères et sœurs dans verset 13 là toi qui habites près des grandes eaux et qui a dimanche trésor ta fin est venue ta cupidité est ta son terme. Ou comprendre les ou di moun ki habite près de grandes eaux non konnen de l'eau salie de l'eau c'est signe de bénédiction côté que depuis gen de l'eau là gen forêt gen jardin gen tout une série de bagay et pas grand moun vraiment qui pral habiter en côté qui pa gen la vie et de l'eau c'est la vie lié en mais l'Éternel montre là moun sa ou qui habite bon gros canal de l'eau yo gros de l'eau yo que yo utilisé pour font série de bagay. Mais li di ou même ki moun ki gen paquet trésor paquet richesse yo les arrivé pour tout bagay sa ou fini moun ki et la cupidité est à son terme ça ou les cupidité am qu'on habitué dou li c'est moun ki gen l'amour de l'argent alors pa blie dou ça pa gen moun ki pa renmen l'argent mais lor renmen l'argent c'est ou pa cupide pour ça ou cupide c'est les que ou tellement aimé l'argent ou a fait mauvais bagay pour l'argent vous comprendre et tout moun aimé l'argent m'a reprend ça me dit mais si moun nan travay pour gagner l'argent tout simplement li contenté à ça gagner li remet l'argent li pas cupide pour ça par exemple pasteur Pamelus youn nan bagay incapable konnen depuis m'jeune ti moun m'a travail m'a dégagé m'pa ka faire gros mais ça m'ka faire a comprendre m'a contenté mavel m'aimé l'argent mais m'pa ka remet l'argent pour ti monnek pour vinn pour l'autre là pour me chercher pour me prendre pour me river dans degré de cupidité jusqu'à ce que ce diable m'a prend jusqu'à ce que ces mauvaises vies m'a mené pour l'argent jusqu'à ce que c'est égorger m'a pris égorger l'autre pour l'argent jusqu'à ce que moun nan li même li trouver et c'est point la prend pour râler l'argent par l'autre gon système en Haïti là moun nan gen droit vinn mandé ou li mande ou bali le venir
balou bali a sorti gen nan poche ou li tou ralil. Alors il est vrai que moun n'a pas ka fè tout moun sa, les serviteurs, le servant de l'Éternel, ou ap bali, il pap ka rale pa la, littéralement pap ka rale pa la, même sa l gen, même sa l te utilise pou l rale, ap sorti bito nan men. Alors, sa yo frèz et sœur, sa n'ap di a la, et c'est ça où les cupidité a. Moun nan vin rive tellement envie, tellement avide de richesse, moun nan livre l, hein, pour l'argent. Frères et sœurs, verset 14. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes comme des sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Avec dit tout le monde qui était à Israël et qui était à Babylonio, yo tout yo pral pousser des cris contre Babylone. Ou ka comprendre ça parce que Babylone pas te servi bien avec au vrai. Eh bien, les arrivé dans situation ça, c'est moun sa ou qui ta pou camper pour entrer dans la guerre avec ou. Ah mais bon, c'est des cris yo pral pousser contre de préférence. Alors frères et sœurs, et on a déjà fait non. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. N'entendez tout ça là, c'est l'Éternel par puissance il défait la terre, il te fondé le monde par sagesse li et odou il te étend les cieux par son intelligence. Donc tout bagage c'est l'Éternel qui fait, c'est pas l'homme qui fait jusqu'à ce que pour l'homme a frappé l'estomac yo. Pour dire c'est au même qui tout haut, c'est au même qui gagne pouvoir sous la terre. Non, son seul monde. Et c'est orgueil au même qui a crasé. Ah oui, frères et sœurs. Orgueil qui a crasé parce que il a retiré l'Éternel dans place que l'Éternel y a, il prend place là comme si c'est au même qui gagne capacité, comme si c'est au même qui gagne valeur, frères et sœurs. Hein, l'Éternel dit c'est lui qui fait ça. Il dit à sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Hein? L'Éternel relé seulement gloire capable de gonder dans le ciel là. L'Éternel il fait monter des nuages des extrémités de la terre. C'est l'Éternel qui fait ça. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. C'est l'Éternel, oui frères et sœurs. C'est l'Éternel qui a fait ça. L'homme qu'on y a à partir de la science, il fait des choses artificielles. Hein? Mais en réalité, c'est l'Éternel, frères et sœurs. C'est l'Éternel qui a fait tout type de bagailles ça. Hein? L'Éternel permet de l'eau à gonder dans le ciel là. L'Éternel permet que nuages à remplir les extrémités de la terre. L'Éternel permet coûter clair coûte la pluie à tomber. Hein? L'Éternel permet que vent côté vent caché à l'Éternel permet de vent à faire mouvement. C'est l'Éternel qui a capacité ça. C'est l'Éternel qui a pouvoir ça. Est-ce qu'on comprend ça Nabdia là, hein? Jack Rebecca, c'est l'Éternel qui a capacité ça. Jack Johannes, frère Boubert, est-ce que nous comprenons? C'est l'Éternel qui a capacité ça. Alors l'homme, l'Éternel bâtit sa connaissance, ou comprend au pire haut que l'Éternel. Ou comprend au pire haut que l'Éternel. Nègla te fait deux jours l'école, et surtout dans la société haïtienne, apprend un paquet de bagailles par cœur, qui li pas un technicien, li pas un, comme on t'a dit là, un savant vrai, non? Parce que les bagailles li t'apprennent par cœur, pour le retel de comme ça, au monde protestant, et aussi au monde chrétien, yo. Depuis qu'on arrive à bon Dieu au campé, mais nous même en tant qu'intellectuel, nous quittons bon Dieu derrière, nous montons plus haut que bon Dieu. Aïe, nous montons plus haut que bon Dieu. N'est-ce pas, orgueil? Qui on peut monter plus haut que bon Dieu? Démagogie. En même temps, comme ça, les gens, ils ont fait Alzheimer. Ils ont fait toute une série de vieilles maladies parce qu'ils sont stupides. Tant que Jean-Paul l'a dit là, tout homme devient stupide par sa science, verset 17. Et là, oui, mais la phrase, tout homme devient stupide par sa science. Tout offreur est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Vous entendez, frères et sœurs? L'Éternel dit, l'homme devient stupide par sa science. Bagaille a fait, on prend pas arriver loin avec, ou offreur là, lui-même qui a fait image taillée.
Mwen, mwen imay la ze manson liye, ze imay la wagen la vi la dan. Koun ya la wè l'om telman evolye, yo fè obo, yo fè obo a pale, men son programasyon yo fè. Yo fè obo a goumen, men son programasyon yo fè, men kite obo a pou kont li, pou obo a deside. Obo a pa ka deside, ase son programasyon yo fè. Kompran? Oui, frèz et sœur. Oboa, son programmation le fait, ben l'Éternel dit tout ça, ces mensonges car ces idoles ne sont que mensonges, c'est verset 17 là, il n'y a en elle il n'y a point en elle de souffle, il pa gen la vie dans lui-même vrai. Il pa gen la vie dans lui-même son programmation l'homme rive fait. Les à partir d'intelligence que l'Éternel baille l'homme, pendant que l'Éternel baille l'homme intelligence là, l'homme tellement qu'on est au bureau que bon Dieu, yo pa vle obéir avec Dieu encore, yo orgueil. Alors la parole là dit dans verset 18 là, elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. En mes bagay yo te fait comme ça, les choses de néant, des choses qui pa ka iti la, hein? Les choses de tromperie, yo rele le bon Dieu là. L'Éternel dit yo gen pou yo péri, les châtiments privé tout bagay sa yo, y a péri ensemble avec moun qui te fait yo. Et pas oublier, Babylone te plein ça. Hein, frères et sœurs? Pas oublier, chaque monde qui font un bagay à travers le monde, yo dresse un monument vers moun nan. Alors, frères et sœurs, nous même en tant que serviteurs de l'Éternel, n'ap di vérité, moun nan te font bon bagay, yo te ka dresse un monument oui, envers moun nan. Pour ça, le te fait, mais le pa ka yon signe d'adoration. M'pap jamb blie ça, malé les États-Unis. Le fini au menem nan université la Harvard pour m'ap gade moi ou konnen université la Harvard qui situé nan Massachusetts Boston avec plus de précision gen des gens du monde qui nan université a l'ap gade wè et statue yo levé nan non Harvard la pour gade wè moun k'ap vini beau statue a vini caresser statue a comme si statue a gon bagay spécial la dan non statue a pas gon bagay spécial la dan. L'Éternel te utilise personnage la à partir d'intelligence pour te vinn faire université a, pour te vinn font série de bagay de développement. Li passé, le passé non ka toujours parler de li, hein, parce que li te posé une bonne action, mais c'est pas un signe d'adoration ni pour nous a pas adorer li, bol carisel, vide parfum sous li etc. Frères et sœurs, encore une fois, de plus, nous revenons dans le moment pour nous finir. 41, 20, 74, 33. Ces hommes, mon pasteur Parmelius qui encourage vous. En aucun pied l'Éternel. Que bon Dieu bénisse chacun de nous.